Bonjour, je vous propose un gâteau au chocolat très rapide. Pour ça, il vous faut 50 g de chocolat, 2 œufs, 50 g de sucre, 50 g de farine. On va commencer par séparer les jaunes des blancs et faire fondre notre chocolat. Donc là, nous avons séparé les jaunes des blancs. Je vais monter mes blancs en neige. Quand mes blancs sont montés en neige, donc bien ferme, hein, ça dégouline pas. On va prendre nos jaunes, on va y rajouter le sucre. Voilà. On va battre jusqu'à temps que ça soit bien mousseux. Blanc et mousseux. Donc, quand c'est bien mousseux, nous allons rajouter le chocolat fondu. Quand vous avez mélangé le chocolat, on va mélanger la farine. Et quand ça vous fait une espèce de pâte un peu épaisse, on va rajouter délicatement les œufs en neige. Quand vous avez bien incorporé les blancs en neige à la pâte, on va mettre à préchauffer le four et on va verser notre pâte dans un plat qu'on a préalablement beurré et mis un papier sulfurisé au fond pour éviter que ça colle. Voilà, j'ai mis la pâte dans mon moule. Je vais le mettre de 12 à 15 minutes à 180 degrés à cuire. À tout à l'heure. Et voilà, notre gâteau est prêt. On va le laisser refroidir et après on va le démouler. Et voilà mon biscuit au chocolat. Pour le goûter des enfants ou pour le café, vous pouvez le servir comme ça. Ou il peut vous servir de base pour des gâteaux plus complexes. Bon appétit !